Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de lundi. Contempler un comportement d'amour. Lisons 1 Pierre 4, verset 8. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Les disciples du Christ n'afficheront aucune caractéristique vulgaire et égoïste, mais en parole, en pensée et en action, ils révéleront la tendresse du Christ. Un esprit dominateur et hautain n'est pas de Dieu et ne devrait être affiché envers ni croyants ni incroyants, peu importe leurs mauvaises conditions de vie. Les chrétiens doivent représenter le Christ dans toutes leurs relations avec ceux pour qui il a versé son précieux sang. Celui qui continuellement contemple le Christ se manifestera tant dans son esprit que dans ses paroles et ses actions. Il ne piétinera personne, ne placera personne sur le chemin de la tentation, ni n'abandonnera personne par indifférence sur le terrain de bataille de Satan. Il leur tendra une main secourable et cherchera à les attirer vers le ciel. En tant que collaborateur de Dieu, il s'assurera que les pieds des âmes tentées soient fermement établis sur le rocher des âges. L'amour du Christ qui pardonne ne connaît pas de limites. Nous devons démontrer à ceux qui sont en danger que nous les aimons et que nous ne sommes pas prêts à les abandonner. Parlons-leur, prions avec eux et exhortons-les avec amour. La religion de la Bible guide la conduite de tous ceux qui croient sincèrement en Christ. La Bible doit être notre guide dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Nous faisons profession d'être des disciples du Christ et cependant, si nous ne pratiquons pas sa parole, nous serons comme une fausse pièce de monnaie qui, testée, ne donne pas le son authentique. Nous avons vis-à-vis de Dieu une dette d'amour et d'affection qui doit se manifester dans notre conduite et nos paroles. Chacun de nous est membre de la famille humaine et nous devons les uns les autres, soit blancs, soit noirs, pauvres ou riches, nous traiter réciproquement avec amabilité et manifester notre intérêt pour toute personne. En tant que membres d'une même famille, nous sommes tous frères. Oui, Ménège, dans vos relations avec les représentants de l'autorité, votre femme ou votre mari, vos amis ou un étranger dans la rue, votre comportement est-il de nature à diriger le regard vers Dieu? Comment vous comportez-vous lorsque vous êtes lésé par l'une ou l'autre des personnes citées ci-dessus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Remue-ménage.